Oh, oh, vous, c'est vous qui vous êtes permis de faire ça? Non, s'il vous plaît, non. Ah, tu aimes ce groupe, tu peux m'accompagner, tu sais. C'est galactical que Maliu soit nominé pour le Grand Prix de la propreté des campus de la côte ouest. C'est vrai que c'est génial. Pour fêter l'événement, je vous offre un chewing-gum pistacheton. Oh, ça a l'air appétissant, mais non, sans façon. Alex, tu sais que je ne mange que du chewing-gum sans sucre et végétarien. Je suis sûre qu'on va le gagner, ce concours. Personne n'a de pelouse plus entretenue que les nôtres. Tiens, c'est quoi ce drôle de véhicule? Les mains en l'air! Et non, pas vous deux, Bécasse. Ça concerne que toi, Bécasse. Moi? Mais pourquoi moi? En tant que chef de la patrouille des volontaires du campus et en vertu de la circulaire 12023, je t'envoie en détention, semeuse de déchets. Ah, semeuse de déchets? Jamais je salirai mon campus, je l'adore. Bah oui, alors c'est quoi ça? Je suppose que ce n'est pas toi qui l'as acheté. C'était un chewing-gum pistacheton. Ah, mais je pensais la voir. On montrera ça au juge criminel. Je vais te passer les menottes. Hé, hey, attendez, c'est un malentendu. Alex n'aurait jamais fait une chose comme ça. À titre de sanction disciplinaire pour la faute grave que tu as commise. Cette cellule, elle est presque aussi belle que notre appart Total Top. Il n'y a ni barreaux aux fenêtres, ni garde. La cellule doit faire honneur à notre réputation. On est à Maliu, après tout. Et on n'est pas des barbares, que je sache. C'est vrai? On me dit, c'est n'importe quoi. Alex n'a rien fait. Pas de visite. Oh. Et pas d'abus de pouvoir. Ce n'est qu'un passe-temps de bénévole. Un passe-temps? La patrouille de volontaires du campus, c'est toute ma vie. Et je te le dis à titre d'avertissement, si jamais il te prenait la mauvaise idée de t'évader, pour ta punition, tu serais exclu définitivement de Maliu. Définitivement, c'est criminel. La dernière fois que je l'ai vu aussi mauvais, c'était le jour où on s'est battu pour un sac chez Yves Montbleu. Les filles, vous devriez partir avant... Thierry, vous voulez me faire envoyer de la fac la plus géniale de la côte ouest? Alex a été mise en détention pour non-respect de la propreté. Pour les déchets, vous savez qu'il y a les poubelles. C'était un accident! C'est regrettable. Oh, c'est trop cool, c'est moi! Vous avez créé une machine à illusion pour que je sois dans deux endroits en même temps? Oh non, attendez, ça n'a pas de sens. Je sais, vous m'avez cloné. Ceci est un hologramme, Alex. On croirait, c'est très impressionnant. Galactical, ça me serait utile quand un rendez-vous avec un garçon tourne au désastre. Désolé, Clover, ce dispositif ne peut être utilisé pour raisons personnelles, non professionnelles. Maintenant, parlons mission. On nous signale des tornades de poussière, des coulées de boue et autres pollutions de cet ordre dans tout Beverly Hills. Oh, quelle horreur! Vous l'avez dit. Qui se permet de salir Beverly Hills? Ce sera à vous de le découvrir. Et vite, parce que les conséquences de cet acte criminel pourraient être catastrophiques pour l'environnement. Stop! Non, misère, on me signale qu'une autre perturbation du même ordre est en cours. Il nous faut nos gadgets de toute urgence. Alors, je vous ai sélectionné le bracelet de charme multifonction, le mascara extensible, les rollers pneumatiques et le tout nouveau parapluie bouclier. Merci, super bien choisi, Jerry. Allez protéger Beverly Hills de ces attaques criminelles. Quand je pense que c'est là que je préférais prendre le thé à 5 heures. L'avantage, c'est que tu risques pas d'être dérangé. Eh oh, il y a quelqu'un? En tout cas, le déluge de saleté s'est arrêté. Non, pas encore, en fait. Oh, Sam, c'est du guacamole. On fait quoi quand il pleut de la nourriture? On patauge dedans.
Je crois qu'on a trouvé notre immonde pollueur. Garrotage de grâce. Cessons ces salissures incessantes, enfin. On en a neutralisé des plus dangereux que lui, c'est pas un pollueur qui va nous impressionner. Considère comme criminel. Alors. Bien pensé, Clover. Je n'autorise personne à effleurer ma somptueuse chevelure. Ah, de la cire pour parquet. J'avais jamais vu un robot armé d'un canon à cire. Il n'est pas parfumé au citron, en plus. Hé, regardez, une plume. Retournons à Malihu pour nos investigations. Avec plaisir. Ça fait trop longtemps que j'ai quitté ma belle cellule. Et j'ai envie de jouer avec mon hologramme. Exemplaire. Quand on ne respecte pas le plus beau campus du monde, aucune punition n'est assez sévère. Bon, à ce que je vois, quelques heures dans cette cellule ont suffi à faire de toi une criminelle endurcie, hein? Tu te fatigues pour rien, fais exprès de t'ignorer. Mindy, cesse de m'humilier devant la prisonnière. Je dis ça pour toi, je suis pas de son côté. Inutile d'attendre demain, je lui attribue sa punition maintenant. Comme sanction, tu vas aller nettoyer tout le campus et tu vas y aller tout de suite. Mais pourquoi tout de suite? Ah, je vois que tu as enfin retrouvé ta langue. Eh ben c'est pas trop tôt, mais c'est trop tard pour me supplier. Nettoie les blouses et qu'elles soient nickel. Ça y est, le campus de Malihu est sûrement le campus le plus propre de la côte ouest. Mandy? Mission accomplie, Mandy. Ah oui, tu crois qu'elle est terminée? Alors comment se fait-il que j'ai trouvé ça sur la pelouse? Mais ce n'est qu'une feuille. Non! Quand une feuille n'est plus sur un arbre, c'est un déchet. Tu vas toutes me les ramasser. Oh, je vais en avoir pour toute la nuit. Oui, au moins, alors dépêche. Alors, comment ça va, Alex? C'est pas la peine de lui poser la question, il suffit de la regarder. Que Mandy lui inflige cette corvée passe encore, mais qu'elle l'oblige à porter cette tenue, c'est de la persécution. Ouais, je déteste la coupe de cette combinaison, mais le pire, c'est le look de la casquette. Ils ont dû analyser la plume. Voyons les résultats. Elle provient d'un plumeau qu'utilise la compagnie Tounette Supernet. Peut-être que c'est le nom de la patrouille de volontaires de Mandy, vu son obsession de la propreté. Non, en fait, il s'agit d'un service de nettoyage. Il faut que j'en informe Jerry. Et moi, je vais creuser sur Tounette Supernet. Mesdemoiselles, oh, franchement, Alex, cette casquette orange n'est pas flatteuse. Elle se sent assez humiliée comme ça, alors évitez d'en rajouter, s'il vous plaît. Bon, on a une piste, un service de nettoyage appelé Tounette Supernet. J'en espérais plus, je suis terriblement inquiet. Beverly Hills est au niveau 10 sur l'échelle de pollution en ce moment même. J'ai réussi à localiser les rois de la propreté. Ils sont au centre de Beverly Hills. À mon avis, ce sont eux les pollueurs. Trouvaille intéressante, Sam. Pour infiltrer l'endroit, vous vous ferez passer pour des techniciennes de surface. Quoi? Vous voulez dire qu'on va nettoyer les déchets qu'ils ont répandus partout? Vous y échapperez peut-être. Hein? Bon, on change de tenue. Oh non! C'est imprimé, c'est horrible! Je regrette presque ma casquette orange et ma combi jaune. Le siège de ce service de nettoyage est horriblement sale. Ouais. C'est étonnant qu'une entreprise comme ça ait réussi à gagner le grand prix de l'entretien. Hey, t'as découvert un passage secret? Bravo, Alex. Voyons où il mène. Hey, vous avez déjà vu ce genre de combiné d'ustensiles de ménage?
Mais oui, on la connaît cette machine. C'est le robot qui nous a attaqués à l'hôtel Poche. Chut, faut pas le réveiller. Vous avez entendu ces voix? Elles paraissaient provenir du vide ordure. D'habitude, on s'en sert pour rafraîchir la laine. Pour l'atmosphère, c'est pas suffisant, mais c'est bien quand même. Libérez-nous vite, on n'en peut plus. Merci, Jerry. C'est super de respirer cette puanteur. Fraîche, Galactica. Venez, il faut libérer ces gens. Je ne ferais pas ça si j'étais vous. Je me présente, Meredith, technicienne de surface à votre service pour vous submerger de montagnes de détritus. Vous, je vous conseille de vérifier la signification du mot propreté. Je suis sûre que vous n'avez jamais fait la vaisselle de votre vie, alors taisez-vous. Je ne peux plus supporter que des snobs dans votre genre, des paresseuses, n'apprécient pas mon dur travail à sa juste valeur. Paresseuse? Et je viens de nettoyer tout le campus, je vous signale. Oh, pauvre chou, moi j'ai bichonné tout Beverly Hills, mais je le ferai plus. Je la transformerai en une immonde décharge. Mais vous ne faites pas que salir, vous portez atteinte à l'environnement aussi. Bah tant mieux, mon rêve, c'est qu'il y a un jour un trou dans la couche d'ozone qui porte mon nom. Oh, ça, y a aucune chance. Il s'est réveillé, le monstre à tentacules. Je vous présente Ouvrika 3000. Cette petite merveille est le premier expirateur de saleté du monde. Il est très puissant. Ensemble, nous allons polluer la Terre entière. Ah, ça, c'est pas encore gagné. Dites, vous ne trouvez pas que c'est pas très net ici? On fait le ménage? Est suffisamment hideuse comme ça. C'est pas la peine d'ajouter des décorations dégoûtantes. Sam, tu crois vraiment que c'est le moment de faire un tennis? Ouvrika 3000 est équipé de 58 embouts interchangeables. Parmi eux, 5 sont turbomotorisés. Je déteste qu'on fasse tremper ma meilleure amie dans un bidon d'eau sale. Ne t'en pas suffi. Voilà le plat de résistance, grosse poubelle ambulante. Loupé. C'est dur à avaler, hein? Qu'est-ce qui se passe? Au secours, faites-moi sortir! Bravo, bravo, Ouvrika. Maintenant, laissons cette bande d'ingrates périr dans les ordures. C'est la fin. On ne s'en sortira pas. Calmez-vous, madame, y'a rien de grave. Vous savez, tout le monde peut survivre à un petit séjour dans un local poubelle. Yo. Bon, il faut admettre que ce plafond qui descend n'est pas très encourageant. Sam, je veux pas être compressée, faut faire quelque chose. Attendez, il m'a ongle fer à friser. Oh, je l'ai, c'est bon. Mini canif. Fonction nous a sauvés. Alex, on va libérer les autres. Clover, ouvre la porte. Il est verrouillé. Détachez-moi vite. Fais-moi, faites plus vite, on va pas s'en sortir. Maintenant, je sais ce que ressentent les sardines en boîte. Alex. Ouais, les sardines en boîte non équipées de mascara extensible. Bravo, bonne idée. Ça va pas tenir bien longtemps. Ça y passe à épiler, il m'a onglé. Dépêche, Clover. Oui, je me dépêche. Ciseaux, scie à métaux. Ah, bon, voilà, j'ai ce qu'il faut. Pour ça, il y a un vent, une pince à cheveux. Oh,
J'annule le contrat avec ce service de nettoyage. Je m'en souviendrai de leur prestation. Je vais ruiner leur réputation. C'est sûrement Jerry. Mesdemoiselles, d'après les infos que j'ai eues, Beverly Hills risque d'être complètement détruite. Où en êtes-vous de votre mission? Je vous résume. On a mis des robes à fleurs ridicules, on s'est fait battre par un aspirateur, coincé dans un compresseur à déchets, et on a vu ensuite des pollueurs s'échapper. Donc, j'en déduis qu'il n'y a aucune bonne nouvelle. Qu'est-ce que vous croyez? On est des super spies, Jerry. J'ai mis un dispositif de pistage dans cet aspirateur. Bien pensé, Clover. Le GPS du Whoop transmet son signal à vos coms poudriers. Les filles, c'est alarmant. Meredith se dirige vers notre campus. Ah, si elle croit que je vais la laisser y répandre des cochonneries après tout le mal que je me suis donné. Je les ai nettoyées, ces blouses. Vous êtes là? Vous avez réussi à vous évader du compresseur à déchets? Évacuation des loups! Bon, il y en a assez. Ça ne peut plus durer. Ah, vous croyez? Il y a aussi l'option avalanche de cire et de poussière. Chevelu qu'une tête. Oh. Elle nous a pas laissé le temps de répondre à la devinette. J'allais dire deux têtes. Tu crois vraiment que le moment est bien choisi pour emprunter mes pulls Angora? M'en veux pas. C'est la seule solution, Clover. Ah non! T'as pris toute ma collection d'Angora. Prends plutôt mes cheveux, non, prends plutôt tes cheveux, Sam. Ça suffirait pas. Je suis désolée, c'est la seule solution. Non! Un petit creux? Je t'ai apporté un copieux petit déjeuner. Non! Ah, oh là! Tiens, tiens! Je peux pas regarder. C'est trop triste de voir quelqu'un perdre ce qu'il a de plus précieux au monde. On n'avait pas le choix. Oh non, mes bébés Angora. Oh non, oh mes bébés. Allez, du balai. Le dicton se vérifie, on récolte ce qu'on sème. Mademoiselle, vous avez fait un excellent travail. Vous avez une dette envers moi, Jerry. Je n'entends pas ce que vous dites. Eh ben, j'ai intérêt à m'y remettre si on veut gagner le concours. Ça valait le coup de se fatiguer. Mali a le campus le plus impeccable de toutes les facs. On est des modèles de propreté, on va gagner. Ouais, c'est évident. J'ai terminé ma corvée de nettoyage, Mandy. Et si je me trompe pas, votre mission de volontaire est terminée, elle aussi. Heureusement pour toi. Non, les mains en l'air. Non, pas toi, Alex. Tant mieux, je suis fatiguée. Quoi? À quoi vous jouez là? J'ai rien fait, qu'est-ce qu'il y a? Nous t'arrêtons pour non-respect de la propreté en vertu de la circulaire 12023 semeuse de déchets. Je n'ai rien jeté par terre. C'est bien toi qui as laissé ta marque de brillant à lèvres préféré orchidée sauvage.
Oui, mais... Oh, non, c'est pas juste, innocente. Ben voyons, c'est drôle, ils disent tout ça. Attendez, fille.